Réconciliation nationale au Burkina Faso. Comme l'avait annoncé et expliqué Chris Yapi, Blaise Compaoré foule à nouveau le sol de Ouagadougou. Chers auditeurs, j'avais écrit et affirmé le 27 avril 2022 que la manœuvre de la junte militaire burkinabé en laissant condamner l'ancien président Blaise Compaoré à la prison à perpétuité était de mieux faire accepter l'idée d'une réconciliation nationale et d'un retour de celui-ci au Burkina Faso. Certains internautes, quand ils n'étaient pas tout simplement menaçants, sont venus me dire « Chris Yapi, cette fois-ci tu mens. Jamais Blaise Compaoré ne remettra les pieds au Burkina. » Son avion n'avait pas encore atterri à l'aéroport militaire de Ouagadougou, que déjà un comité d'accueil était là pour saluer son retour dans le pays. On est très émus. On ne sait même pas quoi dire. On ne sait pas comment remercier Dieu et remercier notre chef de l'État, le colonel Paul-Henri Sandaogo. Je suis contente, je suis fière parce que le président Blaise Compaoré a travaillé durant 27 ans pour ce pays. Il a consacré presque la moitié de sa vie pour ce Burkina Faso. Ses partisans de Blaise Compaoré ont appelé hier sur les réseaux sociaux un rassemblement pour accueillir l'ancien président en exil en Côte d'Ivoire depuis 2014. Il a été invité par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba à assister à une rencontre entre chefs d'État pour accélérer la réconciliation nationale. Moi, je pense que quand on parle de réconciliation, on a vraiment besoin des fils et filles du pays. On n'a qu'à se pardonner et puis aller à la vraie réconciliation. Parce que la nation a besoin de tous ses fils pour son développement. Ce retour de Blaise Compaoré a été minutieusement orchestré entre la présidence ivoirienne et le régime de transition. Mais dans le pays, cette arrivée ne fait pas l'unanimité. Blaise Compaoré a été condamné le 6 avril dernier par le tribunal militaire de Ouagadougou à la prison à perpétuité par contumace pour l'assassinat de Thomas Sankara. Alors, aujourd'hui, 7 juillet 2022, posons la question de vérité. Est-ce que ce que Chris Yapi avait déclaré à ce sujet s'est avéré? Vrai ou faux? Répondez. Chris Yapi ne peut que se réjouir du processus de réconciliation nationale dans ce pays frère de la Côte d'Ivoire, en notant que l'hypocrite d'Alassane Ouattara joue les réconciliateurs au Burkina Faso, quand celle-ci est lettre morte dans son propre pays, et ce, parce qu'il sait de qui tenir. Cependant, ce que je trouve curieux, c'est que Blaise Compaoré se soit rendu dans son pays avec un avion de la flotte présidentielle ivoirienne. Cela signifie que c'est encore le contribuable ivoirien qui a payé pour ce voyage. Comment Alassane Ouattara peut-il autant dilapider les deniers publics quand l'ivoirien peine à joindre les deux bouts, qu'il n'arrive pas à manger trois fois par jour et que ses suppliques au sujet de la cherté de la vie sont ignorées par l'octogénaire supermenteur? Peuple de Côte d'Ivoire, Yako. Je vous invite à réécouter ce que j'avais dit dans mon enquête intitulée « Intrigue politico-judiciaire, les dessous de la condamnation à perpétuité de Blaise Compaoré au Burkina Faso ». Comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages, la nouvelle de la condamnation de Blaise Compaoré pour attentat à la sûreté de l'État, recel de cadavres et complicité d'assassinat dans le cadre du procès Thomas Sankara est tombé comme une guillotine dans sa chevauchée macabre. Cette condamnation a réjoui dans un premier lieu la famille du défunt Sankara et bien entendu certains milieux panafricanistes pour qui il demeure une icône, un modèle de résistance à l'impérialisme. Tandis qu'au Burkina Faso, cette sentence a laissé hébéter les partisans de Blaise Compaoré. Certains ont même avancé que dans un pays gangréné par le terrorisme, cette décision de justice pourrait compromettre la nécessaire réconciliation des Burkinabés, là où on devrait serrer les coudes pour combattre l'ennemi commun, le djihadisme. Les vraies raisons de cette condamnation sont loin d'être uniquement juridiques ou judiciaires, de beaucoup s'en faut. À s'y méprendre, la joie des panafricains pourrait être de courte durée. Ce à quoi nous avons assisté n'est qu'une phase d'une longue saga politico-judiciaire dont l'épilogue n'est pas encore connu. Ce verdict, disons-le tout net, s'inscrit dans une tactique politicienne à deux temps, dont chaque phase a été dictée de bout en bout par une main obscure qui tire les ficelles et qui envisage d'en tirer des dividendes politiques certains. Avec ce qui s'est passé récemment au pays des hommes intègres,
qui auraient la naïveté de croire en l'indépendance de la justice sonotropique. Il y a lieu d'être vigilant. N'est-ce pas une énième manœuvre de manipulation? N'est-ce pas sous nos yeux que le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, tordant le cou au droit et avec la puissance des armes, a réussi à obtenir que le Conseil constitutionnel burkinabé le reconnaisse comme président légitime du Faso, en dépit du fait qu'il ait attaqué brutalement la résidence du président élu, éliminé sa garde, arrêté les membres de son gouvernement et menacé de bombarder le lieu dans lequel il avait couru se réfugier pour échapper à la mort? Ce Conseil constitutionnel sait pourtant que l'assomption et la notion de président de la République impliquent indubitablement l'onction du suffrage populaire. N'ayant été investi de la moindre once de souveraineté populaire, le lieutenant-colonel Damiba ne peut donc, en toute objectivité, se prévaloir du titre de président du Burkina Faso. À tout le moins, il peut se targuer d'être le chef de l'État de son pays, comme le fut le général Guy Robert, à la suite du coup d'État perpétré le 24 décembre 1999 en Côte d'Ivoire, mais pas le président. En démocratie, tous les termes ont leur sens et ont leur pesant d'or. Il y a quelque temps, Kressiapi avait dit que le lieutenant-colonel Damiba était en train de filer du mauvais coton, et cela se confirme de jour en jour. S'étant rapproché d'Alassane Ouattara, il a cru trouver en ce vieillard roublard et flappy un conseiller avisé, un protecteur au sein de la CDAO. Évidemment, quiconque rencontre pour la première fois le chef d'État ivoirien tombe sous le charme d'un homme qui a l'art de se présenter sous un dehors attrayant, séduisant et rassurant. Face à un Damiba qui cherchait ses marques et semblait mal à l'aise dans ses godasses de président, Alassane Ouattara lui a envoyé son petit frère, Tenebireima Ouattara dit La Fiole, comme émissaire de bonne volonté. Le messager La Fiole, au nom de son frère, est venu dire au chef de la junte burkinabé que ce dernier leur promettait soutien et assistance diplomatique au sein de la CDAO. Il a juré qu'il mettrait le poids diplomatique de la Côte d'Ivoire au service de la junte burkinabé, mais à certaines conditions. La première de ces conditions est que la junte devait absolument éviter que Guillaume Soro, son ennemi juré, mette les pieds au Burkina Faso et qu'il y soit accepté. La deuxième condition est que, arguant le fait qu'il a capitalisé une certaine expérience en tant que chef d'État, il devait être le chaperon du nouvel homme fort de Ouagadougou. Il a mis en avant ses excellentes relations avec le président français Emmanuel Macron, ce qui devait éviter à la junte burkinabé la colère du locataire de l'Élysée, sans oublier l'autorité qu'il exerce sur la quasi-totalité des chefs d'État de la CDAO, dont il dit que ces derniers lui sont tous soumis. Alors, le colonel Damiba devait s'en référer à lui pour toutes les actions qu'il entendait mener s'il voulait conduire son navire à bon port. Le jeune Damiba, naïf et à la limite ingénu, a cru en cette langue bien pendue du supermenteur. Il s'est volontairement subordonné à Alassane Ouattara. Cette inclinaison a été rendue d'autant plus aisée que Tenebireima Ouattara dit La Fiole, concomitamment à ses fonctions de ministre de la Défense et de numéro 2 du pays, est aussi le grand argentier de la présidence ivoirienne. Il a donc appuyé les recommandations de son grand frère de deux valises remplies à ras-bord de billets de banque. Et ce, bien entendu, à l'insu des autres membres de la junte burkinabé, ceux du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, qui sont béatement dans l'ivresse de leur nouveau pouvoir. Assuré désormais que le jeune Damiba est entièrement sous son contrôle, le despote d'Abidjan a exigé qu'il libère Roch Kabore, son autre protégé, ce qui fut fait. Satisfait de la première partie de son plan, Alassane Ouattara a convaincu son nouveau protégé de laisser la justice condamner Blaise Compaoré à perpétuité. Bien que ce dernier ne fût pas le principal accusé et n'était poursuivi que comme complice, Alassane Ouattara, le super menteur, exigea et obtint que ce dernier soit condamné à la prison à vie. La requête fut faite depuis Abidjan et la justice burkinabé s'exécuta sans broncher. Toutefois, il y a une raison machiavélique à cela. En effet, et quoi qu'on en dise, Alassane Ouattara a parfaitement intégré que malgré tous les avatars de la vie et les coups durs qu'il a encaissés, Blaise Compaoré laisserait difficilement tomber son poulain Guillaume Soro, pour ne pas dire jamais. Le mentor du nouveau chef d'État burkinabé expliqua à son disciple que la stratégie consistait à encourager la justice à condamner Blaise Compaoré pour assouvir la soif de vengeance d'une partie du peuple du Faso, notamment les Sankaristes. La seconde phase du plan devrait se poursuivre par la condamnation à perpétuité
de l'autre ancien président du Burkina Faso, en l'occurrence Roch Kabore, pour crimes économiques à la suite des audits tous azimuts engagés. Ainsi, il récolterait un soutien populiste et fort opportuniste. Par la suite, adoptant une posture de magnanimité et de réconciliateur, le lieutenant-colonel Damiba leur accorderait une grâce présidentielle salvatrice, une amnistie pour une soi-disant renaissance du Burkina Faso. Ce faisant, il passerait pour un homme de paix, attaché à la concorde et à la réconciliation nationale. Cela donnerait de lui l'image d'un père de la nation, aimant et juste, et lui ouvrirait grandement les portes de la communauté internationale, sans laquelle, selon Alassane Ouattara, aucun destin présidentiel n'est possible. C'est cela, la haute politique, l'en a convaincu le dictateur des Lagunes. Faire cela lui donnerait indubitablement une posture présidentielle, et lui, Alassane Ouattara, se chargerait de lui ouvrir les portes des puissances d'argent, sans qu'il rien n'ait véritablement possible en politique. Surtout pour financer une campagne électorale présidentielle qui s'évalue en milliards de nos francs. Les yeux brillants de convoitise et aguichés par l'idée d'être le prochain véritable président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est engouffré dans le chemin que lui indique Alassane Ouattara. Quitter le commandement de la 3e région militaire du Burkina Faso, c'est-à-dire Ouagadougou, Manga, Koudougou et Fadangourma, pour le commandement du Burkina Faso tout entier. Voilà une perspective qui séduit fortement le chef du MPSR. Cependant, toute entourloupe, aussi bien conçue qu'elle soit, peut avoir des failles. Quelle sera la réaction du peuple burkinabé quand il se rendra compte qu'il s'est fait enfariner? Rappelons-nous que quelle que soit la puissance dont dispose un chef, en définitive, seul le peuple est détenteur du pouvoir et de la souveraineté. Chris Yapi espère se tromper, car dans un tel scénario, il faut admettre que les risques sont énormes pour le Burkina Faso. Le sort de notre icône, Thomas Sankara, est tellement grand qu'on aurait plutôt préféré que le procès soit organisé par un gouvernement démocratiquement élu. Que la vérité soit faite afin de permettre à la famille de faire son deuil et non dans cette ambiance délétère et par une junte militaire qui a toutes les manettes en main. Un procès juste et équitable qui aurait vu Blaise Compaoré dire sa part de vérité, des magistrats dire le droit eût été préférable. Une condamnation par contumace laisse toujours une part de goût inachevée. Il faut concéder qu'aussi subtile que soit la manœuvre actuelle d'Alassane Ouattara, elle n'en est pas moins cynique. Qui ose vraiment croire que le dictateur ivoirien extradera Blaise Compaoré? Avec sa condamnation à perpétuité par contumace, Alassane Ouattara aura réussi un tour de passe-passe, lui qui a condamné son autre concitoyen Guillaume Soro à la même sentence, perpétuité par contumace. Néanmoins, ce qui nous choque, c'est l'intrusion d'Alassane Ouattara dans les affaires intérieures de ce pays frère. Qui peut objectivement nous dire, après l'épisode farfelu du Conseil constitutionnel burkinabé, que les juges ont décidé, sans l'avis du colonel Damiba et sans l'accord d'Alassane Ouattara, le parrain du premier? Quant au jeune Damiba, qui pense récolter les dividendes de cette entourloupe, il pourrait être le vrai dindon de la farce dans cette affaire. Détesté par les uns et haï par les autres, il n'aura réussi qu'à diviser un peu plus la société burkinabé. Rêve présidentiel. Il pourra alors dire « Adieu, vache voilée ». Ce jour-là, Alassane Ouattara, le super menteur, ne sera plus là pour le consoler. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.